Je fais une petite vidéo rapide hein, parce que j'ai reçu plein de courriers des copinettes. Ça fait plusieurs jours que certaines sont arrivées. Et je vous avoue que j'ai couru encore partout. Donc du coup, j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas pris le temps en fait. Je voulais prendre le temps. Donc voilà, on est le soir, je suis rentrée du travail. Donc j'ai un petit peu de temps pour moi. Eva n'est pas avec moi, mais je lui ferai voir les jolies cartes. Je suppose que c'est des cartes de meilleurs vœux, je pense, que vous nous avez envoyées. Alors, on va commencer par celle-ci. Elle est trop jolie. J'adore le petit timbre avec le petit Père Noël. Donc, c'est pas un vrai timbre, ça. C'est super mignon. Alors, ça vient de Sandrine, ma Sandrinette, Sandrine P. Donc, elle est mignonne, elle a mis... On s'est adressé à toute la famille, hein. Lise, Eva, Jérôme et Lola. Donc, je te remercie, Sandrine. Alors, on va regarder. Je vais l'ouvrir. Je ne les ai pas ouvertes, hein. J'ai attendu d'être en vidéo avec vous pour les ouvrir. Pourtant, ça me démangeait, hein. Hop. Alors, est-ce que tu... Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chouchou. Elle est belle, ta carte, ma Sandrine. Oh, merci. T'es trop mignonne. Bon, au moins cette fois-ci, tu nous as pas mis un petit cochon. Bonne année. Elle est trop mignonne. Regardez comme c'est joli. Un petit ours. Oh, elle est trop mignonne avec son petit bonnet, son écharpe. Oh, puis le petit cœur. Le petit cœur au coin de l'oreille, c'est trop mignon. T'as des coupes, la bonne année, elle est super belle, hein? Waouh. Merci ma belle, c'est très joli. Alors. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Bisous Sandrine. Nous aussi Sandrine, on te fait plein de gros bisous. T'as écrit avec un crayon à paillettes. Ça brille. Merci Sandrine. Moi aussi, je te souhaite une bonne année. J'espère que voilà, tu vas réaliser tous tes projets, tout ce que tu as envie. Je te souhaite d'être heureuse et puis voilà, d'être entourée de tout ce que tu aimes. Avec ou sans poils. Avec tes petits chats et tout ce qui... Oh là là. Fais main avec amour. Pour toi, modèle déposé. Merci, ma Sandrine. T'es trop mignonne. Elle est trop mignonne, ta carte. Je la montrerai à Eva demain matin. Allez, on continue. Donc, j'ai reçu une deuxième enveloppe là. Avec un beau petit oiseau. Tamponné, colorié. Et puis, t'as mis des... Alors, est-ce que c'est du... Ouais, je pense que c'est du feutre. Pardon. Je pense que c'est du feutre doré. Avec du doré. Alors, ça vient de notre copine Sylvie. Donc, Sylvie colle tout partout. Alors, qu'est-ce que tu nous as envoyé? Voyons. Oh, c'est une carte aussi. Oh, elle est jolie. Ah, c'est un petit nœud que je t'avais fait. Ah, oh, j'adore. Mais c'est une aquacarde. Ah non, c'est peut-être pas le format. J'en ai pas une là. Non, j'en ai pas une sous le coude. Dommage. Non, c'est pas le format. C'est plus long qu'une aquacarde. Oh, c'est magnifique. Alors, je suppose que c'est un feutre doré. Alors, est-ce que tu as utilisé les feutres ceux-là, là? Les sparkles? Sparkle Market là qu'on a eu chez Action. Est-ce que c'est celui-là? Ça rend bien. C'est vachement beau, regardez. Un petit mug, une tasse, écrit Joy avec dedans un candy cane. Pardon, je recommence à tousser, j'en ai marre. Des chamallows et puis un petit personnage dedans et puis un petit nœud. Alors à moins que t'en aies fait toi aussi, mais ça ressemblerait à un petit nœud que je t'ai envoyé. Coucou ma biche et ma bichette. Oh, t'es trop mignonne. J'adore que tu m'appelles ma biche. Merci. Sans oublier Lola. Merci. Ah, bah oui, c'est vrai. Tu vois, j'avais raison. Ton petit nœud doré revient chez toi. Merci. J'adore quand tu utilises les choses que je t'envoie. Ça me fait plaisir. Sylvie colle tout partout. Et la môme, Bonnie et Philippe. Oh, merci. Oh, c'est trop mignon. Merci à tous les trois. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite une très très belle nouvelle année aussi à tous les trois. D'être en bonne santé, que voilà. Que Bonnie soit en forme. Ton mari aussi, que Philippe aille bien. Toi aussi, tu sois en bonne santé, ma Sylvie. Et puis que voilà. D'être heureux.
d'être épanoui, chacun dans ses activités, dans ce qu'il aime. C'est important. Merci Sylvie, elle me touche beaucoup ta petite carte, c'est trop mignon. Allez, on continue. Alors, ah, ça vient de Myriam. Myriam D. Oh ben oui, vous connaissez Myriam. Hein. On la voit souvent sur les réseaux. Elle met souvent des commentaires. Elle est toujours là, Myriam. Alors, une petite carte aussi. Oh, elle est belle aussi. Oh. Elle est belle, t'as des coupes là. Alors, ton point, ceci est magnifique. Et puis, tu as des coupes, ta petite bannière, là, elle est très belle aussi, parce qu'il y a un effet couture autour, c'est très joli. Oh, merci. Là, c'est super beau. Regardez, je vous montre. Elle est trop belle. Le papier est super beau. J'aime bien ta petite bannière. Tu as mis des petits dots. J'ai les doigts dans tous les sens. Moi, je me suis cassé des ongles. Alors, j'ai un doigt tout court, un ongle tout court. J'arrive pas à attraper les choses, ça m'énerve. Voilà. Très beau. Merci Myriam. Oh, elle est belle ta carte, j'aime beaucoup. Ton papier là, il est beau là. D'où il sort ce petit papier? C'est pas un papier de chez Action là, j'aime bien celui-là là. Avec les petites baies rouges là. Oh, c'est super beau. Allez, on lit ton petit mot. Lisez, va, je souhaite. Merci. Oui. Merci Myriam. On va bien. C'est vrai que. La fin d'année là, a été difficile, compliquée. Je suis fatiguée. Ah, j'espère que 2023 va être mieux. J'ai l'impression de me traîner. Bon, après, la santé, ça va. On a toujours des petits soucis, mais voilà, rien de bien méchant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de me traîner en ce moment. J'y arrive pas. Il y avait plein de concours des copinettes. Il y avait le concours de Hélène, Création 49, il y avait le concours, qu'est-ce qu'il y avait comme concours? Il y en avait plein, que j'ai pas pu faire en fait, et ça me peine parce que ces copinettes là, elles ont fait mes concours, elles ont participé aux nôtres, et j'avais vraiment envie de participer aussi, hein, mais vraiment les cartes pour les papy-mamie, là, les cartes de vœux, les anniversaires. Il y a eu beaucoup d'anniversaires et j'avais vraiment envie de faire un petit truc personnalisé à chacun. J'essaye de ne pas faire du copier-coller en fait. Même si c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Et du coup, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'aimerais bien être à la retraite. Maintenant, je suis trop jeune, ça marche pas. Puis, comme il va falloir bosser plus longtemps, je suis pas prête de l'avoir, ma retraite. Bon, allez, j'arrête. Blablabla, blablabla, c'est reparti. Voilà, merci Myriam. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de mes meilleurs voeux à toi aussi. Voilà, plein de bonheur, une bonne santé. Pareil, d'être heureuse, de t'épanouir dans ce que tu aimes, tes passions, voilà. C'est ça qui nous fait avancer, en fait. C'est ça qui nous fait du bien et qui nous fait avancer, je trouve, à mon avis. Bien sûr, faut avoir la santé, parce que si on n'a pas une bonne santé, si on est malade, on n'a pas envie. Allez, dernier courrier pour ce soir. Alors, c'est de Isabelle B, donc c'est Loubec, vous la connaissez. Elle m'a envoyé une belle petite enveloppe bleue. Merci, ça me fait plaisir. Ça fait super plaisir. Alors, j'ouvre. Ouh là là, c'était juste. Hein. Oh, c'est coucou. Oh, c'est tout mignon. Ah, c'est beau. C'est toi qui as fait le pochoir derrière. Oh, c'est super beau. Et ça, c'est embossé. Ah, c'est une bonne idée. Regardez, je vous montre. Alors, c'est le petit tampon de chez Action, vous savez, avec le petit oiseau, là. C'est trop mignon comment tu l'as colorié. Là, c'est du... C'est des tampons. Non, c'est des tampons, c'est pas du pochoir. C'est des tamponnages de flocons. Elle est venue mater sur un double papier. Et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un tampon. Mais qu'elle est venue embosser. C'est super beau. Ça fait un aspect plastifié. Happy New Year, Santa Mel. Puis t'es venue mettre des dots. Oh merci, elle est trop belle ta carte. Merci Isabelle. Alors. Ah, puis c'est beau dedans, c'est bien écrit.
C'est écrit en blanc avec des petits flocons. On dit, oh, c'est joli comme tout. C'est une belle écriture. Coucou les filles. Une petite carte toute douce pour vous souhaiter une excellente année 2023. C'est vrai qu'elle est toute douce, cette petite carte. C'est exactement ça. Souriez, profitez de la vie, scrapez, amusez-vous. Oh, merci. Alors ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse nous souhaiter. De sourire, de profiter de la vie, de scraper et de s'amuser. Gros bisous, à très bientôt sur votre chaîne. Donc Isabelle, Loubec, ah oui, 1, 2, 3. Scrap en or, ouais, c'est ça. Merci Isabelle, t'es adorable. Ça me touche beaucoup aussi ta petite carte. Vous êtes toutes trop mignonnes. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait tellement du bien de recevoir une petite carte dans sa boîte à lettres. J'adore. Elle est magnifique. Merci beaucoup. Trop mignonne. Allez, on a fini les ouvertures de cartes. Je prévois ça à Eva demain matin, elle sera contente. Voilà, la carte d'Isabelle, de Myriam, de Sylvie et la dernière de Sandrine. Elles sont toutes les trois différentes, c'est marrant. Hein. Toutes les trois des couleurs différentes, des styles différents. Elles sont toutes les trois magnifiques. Oh, pas toutes les trois, toutes les quatre. Ouf, fatiguée, moi. La journée a été dure. Un, deux, trois, quatre. Toutes les quatre. Bon, voilà. Bon, bah, j'espère qu'on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. J'ai un partenariat à vous faire, Global Land. Peut-être falloir que je lui mette, ça fait un petit moment que c'est arrivé, j'ai peur qu'il me rappelle à l'ordre. Et puis, bah, du coup, on va essayer de faire des petits tutos, de faire des petites choses avec après. Je vous remercie les filles, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur Tépascrap. Allez, bye bye!